santé. Tu voulais pas un champagne Non. Non. Ça va très Alors. Bien. Allez, on va pas tester. Santé, hein. Ching, Michel. Mais ça vient au fond. C'est pas juste pour... À l'extérieur, déjà s'il y avait trois personnes au milieu, c'est vraiment que tu veux que tu aies un peu. Non, parce que justement, on a évité tout ça. Ouais. Vous êtes passé par où alors? C'est le seul qui lui répondra plus loin. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus aujourd'hui dans notre mairie, mairie d'Ostoud. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir, et surtout que vous ayez décidé de vous unir donc, dans la mairie d'Ostoud. C'est un grand plaisir pour moi. L'occasion est de me donner également de dire quelle est l'importance dans ce pays, dans une même égalité. Et vous avez su, Chloé et Arnaud, réunir vos familles et amis dans cet esprit de fraternité. Très chaleureusement, je sais qu'une journée telle qu'aujourd'hui représente beaucoup de travail et d'émotions légitimes. Aimer, ce n'est pas de grandes déclarations. Il vous manque l'essentiel de la vie. Madame Fallet Chloé Françoise Marie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Henri Arnaud, ici présent? Oui. Monsieur Henri Arnaud, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Fallet Chloé Françoise Marie, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Henri Arnaud et Madame Fallet Chloé Françoise Marie unis par le mariage. Il n'y a pas été fait de contrat de mariage. Les futurs époux ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi ce qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Nicolas Joseph Lucien Petz, 32 ans, agent technique, domicilié au Stoud, et Jérôme Henri, 36 ans, frigoriste, domicilié au Stoud, d'une part, et Bastien Daniel Jacques, la rue de Tournemine, 35 ans, consultant domicilié à Nanterre, et Caroline Civil Jeanne Muller, 31 ans, chef de rang domicilié à Strasbourg, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Christophe Reiser, maire d'Ostoud. Voilà. Aussi. Je peux peut-être le mettre sous un fond-main. Oui. Et les témoins aussi. Les témoins, chaque témoin signe deux fois. Thank you.
félicitations. Merci beaucoup. Ah voilà. Avec le soleil. Ça prend une minute. Bah oui. Ça va vous coûter cher, hein. Oh là, et c'est un japonais, non, trois. J'apprends les photos de. C'est de bon augure. Ah ouais. Non, c'est pas vraiment un discours, c'était juste pour vous remercier en fait d'être venu pour ce jour exceptionnel pour nous. On vous remercie d'être tous là, d'avoir fait le déplacement pour se trouver un peu plus loin. Puis voilà, on est heureux et on espère que vous l'êtes aussi, on n'en doute pas. Donc encore merci d'être venu et puis à votre santé et à la vôtre avant tout. Félicitations! Santé! Vive les mariés! Vive les mariés! Voilà! Parce que moi je l'ai fait parce que j'arrêtais de fumer. Moi j'avais demandé à ma dentiste en Belgique, une fois en fait elle m'a dit. Mais il aurait été bon, là, moi je vais pas. Il a 4 kilos de. Ben non, il est pas en retard. 4 kilos 6 moi. On a vu le premier, ça va s'enchaîner. Le copain Louis, c'est dans un mois. C'est le mariage type de la saison. Mais. Ah, c'est de la dénonciation. Il est déjà en tête. Ses parents, c'est du genre midi et demi, cette année, il y en a que deux. Ouais, il m'a dit vraiment, il avait l'air d'avoir été vraiment touché. C'est Sophie la girafe. C'est un célibataire. Qu'est-ce que tu veux? Même les petits. Oui. C'est ça. 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 C'